Je m'appelle Justine, je suis la gérante des écuries d'Azur à Valangougère dans le Vexin. Et du coup, il y a un peu plus d'un mois, j'ai fait 3 chutes en 2 semaines, dont une mauvaise chute, alors que je tombe pas hyper souvent, mais ça peut arriver. C'était à l'entraînement en plus avec mes chevaux, qui sont très gentils, c'est pas des jeunes, enfin, il n'y a pas de raison de tomber ou de se faire mal. Du coup, j'ai décidé d'investir dans un gilet airbag et j'ai également changé mes étriers pour du trier Siphon, donc de sécurité qui s'ouvre en cas de chute. Du coup, j'ai fait 3 chutes en 2 semaines il y a à peu près un mois, dont une mauvaise chute où en fait je suis restée coincée dans mes étriers, donc je suis tombée sur le côté et mon pied s'est vrillé dans l'étrier et en fait il est resté coincé sur le côté tordu. Donc je suis tombée et j'avais la jambe coincée dans l'étrier et impossible de me défaire, même en essayant de relever ma jambe, ça ne se libérait pas du tout. Donc heureusement mon cheval est resté arrêté, il était très calme et il n'a pas paniqué d'avoir sa cavalière pendue à l'étrier. Mais du coup ma coach a dû défaire l'étrivière et j'ai vraiment paniqué à ce moment-là de me dire bah, en fait j'aurais pu me faire traîner et les conséquences peuvent être super graves.